Allez, je l'avais annoncé tout à l'heure. Les défis, mais finalement, ça va être l'appel débile que nous allons faire. Donc, on fera le défi juste après. Il va falloir aujourd'hui appeler un poissonnier et lui demander s'il est possible de remplacer le dauphin dans le gratin dauphinois. D'accord ? C'est Vincent qui s'en occupe aujourd'hui. Alors, on va essayer, essayer de taper le numéro de la poissonnerie. Essayer. Alors, on appelle une poissonnerie d'Armentières. Jean-Yves. Voilà, voilà. Vas-y. Tape donc le numéro du téléphone. Et puis, ce sera bien. Ouais, après, tu le fais en version Vincent, pas en version. Ils vont rien comprendre. Oui, je vais le prendre en version Vincent. Oh, oui, prends-le. Oui, enfin... Tu me dis quand ça sonne, hein, Kéké. Ouais. T'as capté. N'hésitez pas à parler dans les micros, vous allez voir que c'est quelque chose qui. Oh putain. Oh non. Le tarin. Ça marche pas ? Non. Oh là 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 là. Ça marchait pourtant. On va pas y arriver. Ouais, c'est parce qu'il a pas bien tapé le numéro, je crois. Allez, on retente. On est qu'à 2 minutes 16. Ouais. On a le temps. De toute façon, ça se trouve, il veut dire il y a pas de dauphin dans un grand dauphinois. Ouais, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Mais t'es vraiment un connard. Apparently. Ah. Ah. Allô ? Oui, bonjour, madame. Ce serait pour savoir une petite question, parce que ce soir, je reçois des invités. Et j'aurais voulu savoir si dans le gratin dauphinois, avec quoi on pourrait remplacer le dauphin, parce que mes invités n'aiment pas le dauphin. Est-ce qu'on peut remplacer par quelque chose d'autre par hasard ? Eh ben, en live, on a appelé une dernière. Bon, voilà. Elle a senti l'entourloupe. C'est pas très conversant tout ça. Hein. Apparemment, elle aime pas les dauphins. Pourtant, j'étais aimable, j'étais gentil. Allez-vous. Moi, je pensais qu'il faudrait faire le débile. Tu sais. Bah, je pensais que c'était bien fait, moi. Non, mais quand il faudrait vraiment faire le débile, quoi. Par contre, elle pense à demander si c'est une poissonnerie, parce que tu vois, elle a juste dit allô. Ah, et oui. Ça se trouve, c'était pas une. Ouais, oui, parce que moi, c'est quand même marqué. Là, par exemple, on va appeler la marée étaploise à Armentières. Donc, la marée. La marée, quoi. Il y avait du poisson là-dessous, mais là, c'était quand même juste Jean-Yves tout à l'heure. Donc, ça se trouve, Jean-Yves ne faisait pas de poisson. Une question, ça me fait marrer, mais madame. Moi, je dis, il faut faire le vieux, parce que les vieux, on les insulte. Oui! Est-ce que tu sais. On va essayer de faire le vieux. Oui, madame. Oui. Madame, excusez-moi, bonjour, madame. Bonjour, madame. Tranquille, bah oui, parce que là, on dirait un vieux, mais un vieux qui est surexcité, tu vois. Fais-nous un vrai vieux, un vieux de ce genre. J'ai entendu dire. J'ai pris trop de vieux. J'ai entendu dire. Que dans le gratin dauphinois, c'était du gratin dauphinois, c'était le dauphin. C'était le dauphin, mais t'es en train de faire le vieux noir là, non? Bah, tiens, on va avec un petit accent ça. Là, non? On va le faire comme ça, on va le faire comme ça. On va y arriver. Hein. Allez, c'est parti. Il faut que je trouve le dauphin. Le dauphin. Allô. Réglez pas au téléphone. Bonsoir, Charlie, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je serais bien à la poissonnerie? Oui, c'est bien ça, oui. Oui, bonjour. Alors, figurez-vous que ce soir, j'ai des invités et je fais un gratin dauphinois. Mais ils n'aiment pas le dauphin dans le gratin dauphinois. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de remplacer le dauphin par quelque chose d'autre, par exemple? Ah oui. Un requin, peut-être. Un requin? Oui. Peut-être. Et vous faites du... Il a raccroché. Bon, t'as répondu. On a la réponse. Donc il faut que tu changes. Pour du requin. Et je pense qu'il veut te casser la gueule après. Le requin. Ah oui, bah écoute, le requin, allez, il manquait un peu le. Ouais, pauvre con, tu peux le remplacer par du requin, gros con. Bon, c'était pas mal. Pas drôle, oui. Il va falloir qu'on fasse des recherches sur des gens qui durent. Hein. Ouais, pas toi, mais le mec, bon. Donc un requin, hein. On essaiera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on redemandera à un poissonnier. Puis on finira un jour ou l'autre par faire retour. On verra. On verra. Et... Ah putain, j'ai compris. Le micro. Allez, la suite. Et bah, du coup, c'était le défi. Donc, dans quelques instants, on revient cette fois-ci vraiment avec le défi. TSO Radio. La radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.